Et c'est mon ami Jacques qui est allé jusqu'à eux. Et bravo les jeunes, c'est pour vous qu'on est là. Mesdames, bonjour. Mesdames, messieurs, bonjour. Monsieur le président, le directeur général du matin, monsieur le directeur des marchés de la BMCE, madame la directrice Millennium Challenge, madame la représentante de l'ambassade américaine du Maroc, vous êtes les bienvenus tous, messieurs, dames. Plutôt, excusez-moi, mesdames, messieurs, les dames d'abord. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour célébrer ensemble cette journée unique en son genre, aussi bien par les circonstances, le moment et les heureuses coïncidences. Cette journée nationale succède le 44e anniversaire de la Marche verte. Elle est à 3 jours de la fête nationale de l'indépendance. Et elle marque bien sûr la première édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat que nous organisons avec l'association Espace Point de départ ESPOD, que nous félicitons pour la bonne collaboration et plus particulièrement Madame la Présidente Shraibi Salah Bnouna, que je vous prie d'applaudir. La crise économique et financière internationale de 2008, conjuguée à d'autres facteurs conjoncturels et structurels, ont aggravé la situation des petites entreprises. Pour la première fois dans l'histoire, une inversion des tendances s'est déclarée. Les fournisseurs n'accordent plus de délai aux petites entreprises et parfois même ils coupent le compte. Les clients ne payent pas à temps et bien sûr, la banque devient de plus en plus réticente. Les chefs de petites entreprises nationales se trouvent ainsi livrés à eux-mêmes. Ils se débrouillent tout seuls, du mieux qu'ils peuvent, luttant uniquement pour la survie. Pour l'innovation, la bonne gestion, ça, c'est pas à l'ordre du jour. Imaginez-vous un chef de petite entreprise qui se lève le matin de mauvaise humeur, ayant passé la nuit à envisager les multiples scénarios pour sa trésorerie sans issue. Comment peut-il avoir la motivation de penser optimisation, innovation et marketing? Il est au four au moulin. Comparativement à un joueur de football qui assure, enfin le joueur de football ancien de la petite équipe bien sûr, qui assure les fonctions de joueur principal, capitaine, chef d'équipe, entraîneur et coach. Il n'a pas le droit à l'erreur. Il endosse toutes les responsabilités. Il est la cible de toutes les remarques et critiques. Toutes nos félicitations pour les chefs des petites entreprises encore en activité. Bravo, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Pour ces raisons-là, 4 mois après sa création, notre association s'est empressée de remettre des propositions en 5 points, classées par ordre d'importance à Monsieur le ministre des Affaires Générales. C'était en 2012, début 2012. Ces points sont toujours à l'ordre du jour et sont confirmés par les résultats des études, l'une réalisée par le CRI de Casablanca avec la Banque mondiale en 2018 et une étude du World Bank Group en 2019. Je ne vais pas vous donner des chiffres, ce n'est pas mon rôle au panel, je crois, et vous les connaissez tous. Nos recommandations ont été mises à jour en 62 points constitués de procédures et mesures correctives pour régler les problèmes communs rencontrés aux différentes étapes des petites entreprises. Depuis la création, développement jusqu'à l'accès à l'export. Comme vous savez, à chaque étape, il y a des problèmes spécifiques communs.
Une copie a été remise respectivement à Monsieur le conseiller économique du chef du gouvernement et à la CGM. Nous considérons à notre appréciation que ces mesures feront gagner au moins 2 points du produit intérieur brut, c'est-à-dire au moins 60 000 emplois à 0 dirham. Il suffit une volonté de tous. La démarche de notre association est traduite par son nom, mouvement. Ça veut dire aller bouger à l'avant ensemble dans le bon sens. Et notre logo, malheureusement, on ne peut pas le projeter, mais il est sur la carte, il est sur notre dépliant. Il est là, pardon. Il représente un bateau dans lequel il y a 2 bonhommes d'âge différent et qui sont en pleine mer pour une même destination, pour un même objectif. Ils n'ont pas le choix que de tout partager. Partager la nourriture, bien sûr, se répartir les tâches, travailler ensemble, nettoyer le bateau, colmater les fuites d'eau, très important, et entretenir le moteur pour accélérer la cadence afin d'arriver au plus vite à destination. Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a donné ses hautes instructions le 11 octobre dernier. Il a mis tous les acteurs socio-économiques devant leurs responsabilités respectives, qu'il s'agisse de parlement, gouvernement, secteur privé et banque. Il reste à nous également d'assurer les nôtres. En tant qu'association, nous avons un rôle important à jouer en communication, sensibilisation, intermédiation, représentation et bien sûr défendre les intérêts communs. Nous invitons cordialement toutes les associations et bonnes volontés à se joindre à nous pour la continuité de discussions, d'échanges, de concertations et de travailler ensemble sur des points communs, principalement pour l'accompagnement des jeunes. Nous devons améliorer, bien sûr, le déficit de communication, parce que la petite entreprise souffre de cet état de fait. Quant à nos associations, nous ne savons pas à quel ministère on doit s'adresser. Cela afin de poser les problèmes, dénoncer les mauvais comportements, abolir les barrières et les multiples difficultés. Au niveau régional, nous attendons la prise de fonction des nouveaux directeurs des CRI, dont nous espérons une meilleure collaboration. Nous félicitons M. le ministre des Finances pour le travail effectué quant à la dématérialisation de facturation et suivi de paiement, quoique les petites entreprises n'en profitent pas à ce jour du fait qu'elles n'accèdent pas actuellement aux appels d'offres et commandes publiques. Nous demandons dans ce sens, à ce titre-là, la mise en application des lois d'attribution et définition des quotas pour les petites entreprises, les auto-entrepreneurs et les petites entreprises et les moyennes entreprises. Chacun sa part, il faut se séparer le gâteau, il faut le partager plutôt. Et là, tout cela pour définir le quota et permettre aux petites entreprises et aux entrepreneurs de remplir leurs carnets de commandes, parce qu'actuellement, il faut l'avouer, les carnets de commandes sont vides, absolument vides. Je terminerai par une bonne nouvelle pour l'ensemble et surtout pour les jeunes, et vous annoncer que nous sommes en train de préparer un important projet comportant une banque de données de sous-traitance, de co-traitance et de partenariat permettant aux jeunes porteurs de projets et les petites entreprises en activité l'accès à des informations, ça nous manque beaucoup actuellement, des informations économiques et autres services de grande importance
Les détails vous seront présentés très prochainement. Au-delà des problèmes cités précédemment, nous gardons bien sûr espoir, parce que l'entrepreneur sans espoir, il ne peut pas aller plus loin. Nous gardons espoir grâce à la vision éclairée de Sa Majesté Mohamed VI, à l'échelon national et la politique d'ouverture, à l'échelon international, pardon, et la politique d'ouverture sur le Sud. Nous avons des atouts géoéconomiques, culturels, humains, richesses halieutiques. Il ne suffit qu'une seule chose, travailler en écosystème avec un esprit gagnant-gagnant. Enfin, un message pour les jeunes qui sont là. Vous êtes les responsables de demain. Vous avez la chance d'être nés dans l'ère des nouvelles technologies d'information. Alors, une occasion qu'il faut saisir. Vous avez de merveilleuses idées. Nous avons des conseillers de terrain, de grande expérience. Et il y a énormément de choses à partager. Développement ensemble l'économie de savoir, comme il disait le Sudoplatov, quand on partage un bien matériel, on le divise, mais quand on partage un bien immatériel, on le multiplie. Alors, si le bien matériel est multiplié en le partageant et qu'il est à zéro dirham, qu'attendons-nous pour le faire? Qu'attendons-nous pour le faire? Et je terminerai enfin par une citation de Marc Aurèle qui dit « Que la force me soit donnée de supporter ce qui peut être changé. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé. Et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. » Fin de citation. Je vous remercie et je passe la parole à Madame Sraïd. Ambassadrice de charme et qui nous vient de Washington pour soutenir notre action. Merci donc les banquiers parce que vous êtes tellement précieux. Dans le deux sens du mot, vous êtes extrêmement précieux. On vous aime. Mais est-ce que vous nous aimez? C'est la question. Alors on va vous proposer aujourd'hui de nous aimer, donc les petites entreprises et les moyennes, parce qu'elles ont besoin de vous. Donc, si on organise cette rencontre, ce n'est pas uniquement pour être dans le fait du temps, parce qu'il par mon ami, si vous y dites que je salue, pour sa ténacité et sa persévérance. Ce n'est pas parce qu'uniquement il y a la crise, il y a l'essoufflement, il y a cette quête d'aller plus loin. Écoutez, oui, il y a de ça, mais il y a surtout de dire aujourd'hui, c'est le temps de toutes les urgences. On ne peut plus promettre à des jeunes qui sont très nombreux ici, qui ont investi de leur temps surtout et de leurs moyens et qui cherchent une issue. Marché du travail exigu, très lourd à pénétrer, difficile de composer avec. Et puis on se retrouve avec des familles parce qu'ils ont besoin de construire aussi leur vie et ils se retrouvent avec toujours cette quête. Nous avons eu de très belles expériences, le CJ2, ESPOD, les premiers du temps, donc toutes ces associations, donc la FEM que vous représentez, donc toutes ces associations modernes donc, qui ont été créées, qui se battent. Nous avons aussi une grande association qui est là, avec qui nous voulons aussi que les liens soient tracés, que les passerelles se construisent. La CGM n'est plus un club, la CGM est aujourd'hui une association qui s'est ouverte. Et nous voulons que toutes les fenêtres soient plus grandes, plus importantes, plus réceptives. Et pour cela, donc, nous devons travailler ensemble. Voilà, le temps est devenu celui de la mobilisation. On ne racontera plus à nos jeunes qu'il y a la banque à côté, qu'il y a le CERI de l'autre côté, qu'il y a un guichet unique, mais qu'on voulait même fermer de lassitude, manque de marché. Quand vous voulez fermer une entreprise aujourd'hui, allez voir. Non, l'annonce légale, elle se fait désormais à Rabat.
Et donc, va falloir prendre le train ou alors aller sur les roues de votre voiture. Donc, tout cela, nous voulons Tafsir Massater, on nous en parle. Non, on veut de véritables félicitations et facilitations de fait et de droit. Donc, qu'elles soient transcrites. Effectivement, la belle nouvelle aujourd'hui, c'est que le chef du gouvernement a annoncé avec beaucoup de, disons, de bonheur pour les uns et les autres, les unes et les autres, qu'il y aura cette plateforme d'information. Elle est gouvernementale, nationale, et donc en profiteront effectivement les associations, mais aussi les auto-entrepreneurs et aussi auto-entrepreneurs avec eux, c'est-à-dire ES, les femmes. Les femmes, eh bien voilà, nous les représentons, c'est ESPOD, Espace Point de Départ pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Première association au Maroc, en Afrique et au Maghreb, forcément, à parler de femmes, d'économie et d'entreprise. Donc, beaucoup de discrétion. Mais le temps de communication nous amène aujourd'hui, et ce n'est pas notre président directeur général qui me contredira, à en dire davantage pour la présenter, cette association qui a fait dans le lit, elle a fait le lit de la microfinance. Nous remercions la personne de sa présidente fondatrice, Madame Ben Abdenbi. Donc, c'est cet élément de l'histoire.